Bonjour et bienvenue dans Un miracle chaque jour. Le miracle du jour vous est apporté par Bruno Picard. Bonne écoute. Bonjour mon ami. Le miracle du jour a pour titre Le feu de Jésus éteint le feu ennemi. Passer par une saison difficile n'est agréable pour personne. Mais avez-vous déjà remarqué qu'a posteriori, lorsque vous l'avez surmontée, elle a produit en vous du fruit qui plaît à Dieu? Mon ami, le feu et l'adversité peuvent se révéler être des saisons de croissance profonde et durable. Pour ma part, tout comme vous, il m'arrive de vivre des saisons de galère, de souffrance, de culpabilité, de maladie, de rejet et d'incompréhension. Mais quand le feu vient, posez-vous la question. Mourir ou mûrir? J'aime tellement ce passage encourageant de Daniel, chapitre 3. Victimes d'une loi, les trois amis de Daniel ont été jetés dans une fournaise ardente. Malgré l'épreuve, Dieu se trouvait là, dans le feu, avec eux. Voici ce que dit le texte. C'est alors que le roi Nabucodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et, s'adressant à ses conseillers, il demanda « N'avons-nous pas jeté trois hommes tout ligotés dans le feu ?» Ils répondirent au roi « Bien sûr, majesté !» « Eh bien, reprit le roi, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Et le quatrième a l'aspect d'un des fils de Dieu. » Mon ami, l'une des façons d'être protégé dans le feu ennemi, c'est d'inviter Jésus à répandre le sien. Laissez Jésus-Christ vous rejoindre dans le feu. Prenez la main de Jésus. Son feu éteint celui de l'ennemi. Laissez le feu de Dieu vous purifier et révéler votre intimité avec le roi. Aujourd'hui, décidez de tout remettre entre les mains de Dieu. Cela peut vous faire progresser. Ne laissez pas les critiques, les feux de l'ennemi vous détruire. Quand ce qui fait mal finit par faire du bien, c'est que vous avez laissé Jésus s'occuper de vous. Jésus-Christ voit une opportunité là où ses disciples voient une crise. Ne baissez jamais les bras. Merci d'exister. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Un miracle chaque jour et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de ma prochaine vidéo. Merci d'exister.